quelqu'un souffre de diabète. Quelqu'un souffre de diabète. Non, j'ai déjà prié pour toi. Voilà, merci. C'est bon. Donc le Seigneur veut guérir cette personne au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Ouais, viens. Tu peux remettre ta veste, ça c'est possible? Ouais. Voilà. Tu veux baptiser, jeune fille? C'est bien, tu peux baptiser quand? Il y a 3 ans? Un an? C'est bien. Viens, je vais prier pour toi. Le Seigneur veut te faire du bien. Vous pensez que Dieu peut guérir cet homme? Seigneur, merci que ce diabète disparaisse de ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint. Que cette maladie disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon. Il y a un appel sur ta vie. Seigneur, bénis cette jeune sœur. Bénis-la, Seigneur, dans tout ce qu'elle va entreprendre. Que ta grâce l'accompagne, la précède. Que l'ennemi ne puisse pas la détruire, Seigneur. Seigneur, accompagne-la dans tout ce qu'elle va entreprendre. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Tu veux pas passer par le baptême? Le baptême, Dieu t'appelle. Amen. Oh Seigneur, merci. Sors. Au nom de Yeshua, quitte ce corps maintenant. Voilà. Quitte-la, quitte-la. Quitte ma soeur, quitte sa vie et ne reviens plus jamais. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Quelqu'un souffre beaucoup de sciatique. Que le Seigneur est en train de guérir au nom de Jésus-Christ. Ouais, sciatique. Dieu travaille, Dieu sauve, Dieu restaure. Ça va? C'est bien. Le Seigneur me parle d'un Thomas que Dieu veut restaurer. C'est une personne dont la vie va être changée, transformée au nom de Yeshua. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prie pour un Thomas ici là. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est bon. À travers la vie, Dieu est bon. En tout temps. Tu veux baptiser mon frère, non? Hein? Viens. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ouais. Tu es baptisé dans l'eau, par immersion, ou catholique, catholicain, parce que je veux montrer. C'est lui qui m'a demandé de te poser cette question là, parce qu'il t'appelle. C'est la première fois que tu viens ici? Non. C'est ton enfant, là? Oui. Ouais? Ta femme? Oui, tu l'as pas marié. D'accord. Tu peux revenir, s'il te plaît. Dieu veut que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Tu vois, parce qu'il veut se servir de toi, il faut mettre de l'ordre. Tu l'aimes, non? Depuis quand vous êtes ensemble? 2 ans. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Je
toi tu l'aimes? Oui. Hein? Beaucoup. Ah bon? Hein? Oui. Ah, comment elle sourit, les hommes. Mais qu'est-ce qui t'empêche alors de l'épouser? Bon, en fait, j'ai déjà marié quand on a commencé à se fréquenter. Mais quand je lui ai demandé, il me dit qu'il était pas prêt et tout ça. Mais comment ça se fait? Parce que vous avez déjà un enfant, comment ça se fait? Moi, c'est pas moi qui provoque, c'est le Seigneur qui m'a poussé vers toi. Donc, vous avez un enfant, c'est un garçon? Oui. Un beau bébé comme ça. Tu vois, pas que toi, en tant que chef, jeune homme, quel âge as-tu? 22 ans? Non, 18. 18 ans? Tu vois pas que cet enfant-là, si tu le laisses comme ça, si elle parle, vous ne mettez pas de l'ordre dans votre couple-là. Vous vivez ensemble? Oui. Mais cet enfant-là, c'est comme si tu lui dis, écoute, fais la même chose que moi. Voilà. De, très jeune. Et cet enfant a besoin d'un cadre. Elle a dit qu'elle t'aimait beaucoup. J'ai l'impression que tu n'aimes pas trop. Ah, tu dois aller voir ça. Hein? Ici, là, tout se sort, tout sort. Hein? Maintenant, il faut mettre de l'ordre. D'accord? L'impudicité est un péché. Tu sais ça? Oui. Ok. Donc, à la fin, venez me voir, on va discuter un peu. D'accord? Ok. Ah, merci. Il est venu se poser sur toi, là. Voilà, Dieu. Seigneur, bénis cette sœur, que ta grâce l'accompagne partout dans votre chemin. Que l'ennemi retire sa main et sa vie maintenant. Lâche-la. Sors! Je dis lâche-la, que la mort s'en aille maintenant dans Yeshua. Voilà. Seigneur, merci. Elle souffre beaucoup. Elle pleure beaucoup. Elle est beaucoup angoissée. Le Seigneur restaure son cœur. Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme, Seigneur. Merci. C'est bon. Voilà, Dieu. Le gars souffre beaucoup de comment il souffre d'estomac. Donc, je vais prier pour toi. On voit de ton estomac, tu as beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Le Seigneur veut te restaurer. Tu vas de nouveau manger normalement. Vous pensez que Dieu peut lui donner un estomac tout neuf? Qui le croit? Il y a beaucoup de guérisons depuis qu'on est arrivé quand même. Hein? Alléluia. Mais on n'est pas encore satisfait parce qu'on bénit Dieu, attention. Mais on se dit, vous savez, hier, avant-hier, c'est dans la douceur. C'est plus des enseignements. Mais après, là, on va beaucoup passer du temps dans l'adoration et prier pour que le Seigneur donne, répande sur vous les dons de l'Esprit. D'accord? Donc là, enseignement, et puis après, la prière. On vient de remplacer son estomac. Réparation. Ah oui. Oh, c'est réglé là, c'est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique, magnifique Seigneur. Et le Seigneur est en train de travailler en profondeur dans la vie de mon frère. Il y a un bouleversement là. J'ai eu le... Comme un vent en lui là, qui est en train de... C'est ça, hein? Il y a beaucoup de choses qui se remettent en question. Mais après, là, les fruits, là, ça va être des bons fruits, mes amis. Oh, alléluia, des bons fruits. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ça va, là? Ça va? Tout va bien? Hein? Je vais bon? Et regarde, tu brilles aussi, ça va? Hein? Tout va bien? Il y a un grand changement dans ta vie aussi. On sent que le Seigneur travaille en profondeur, gloire à Dieu. Bonsoir, ça va? Vous êtes bien. Vous êtes baptisé? Non, pas encore. Le Seigneur vous aime. Pensez à Dieu. Comment? Pensez à Dieu. Ouais. Vous voulez pas fatigué? Vous n'êtes pas baptisé? Vous voulez pas suivre Jésus-Christ? Non? Pourquoi? Vous savez pas? Et Dieu vous aime, c'est lui qui vous a amené ici. Vous le savez, hein? Gloire à Dieu. Je me souviens de vous. Amen. Mais vous voulez pas vous faire baptiser pour suivre Jésus? Jésus, il y en a. Ok.
Si je regarde cet homme, on a des choses. Venez. Tous les deux là-bas. Les trois. Tous ces gens. Il va toucher beaucoup de cœur, il va te, comme je rêve. Donc il va te donner l'intelligence pour superviser les choses et des portes vont s'ouvrir, une grande porte va s'ouvrir par rapport au travail, pour nous dire choix, le Seigneur le Sauveur. Qui sont ceux et celles qui partent, donc soyez vraiment bénis, qui viennent avec nous en Côte d'Ivoire en mission? Vous êtes inscrits, hein? Waouh! Vous allez découvrir pour la première fois l'Afrique. Et vous allez vous rendre compte que l'image que vous avez de l'Afrique est complètement fausse. Et on va, quand on ira là-bas, on va s'organiser. On va aller en forêt, en pleine forêt. Il y a un village là-bas. Et c'est beau. Vous allez voir. On va essayer de bouger un peu ici et là. Et la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et Abidjan est une ville comme Manhattan. Et souvent les gens, quand ils arrivent là, ils sont étonnés de voir de telles villes avec des autoroutes. Et des gens qui aiment le Seigneur. On pense qu'on va passer du temps dans la présence du Seigneur. On va presque être tous dans une même maison. C'est une sœur qui nous a cédé sa villa. Donc, il y a une grande piscine, c'est là qu'on fait les baptêmes. Et là, c'est prière, adoration, on mange ensemble, prière, et allez, 3h du matin, ceux qui peuvent, allez, on se lève, prière, tout ça, ça va être une très très bonne mission. Et donc le logement, la nourriture, tout ça c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Donc on veut vous encourager à voir autre chose, à vivre autre chose, à voir des frères et sœurs comme vous, qui aiment le Seigneur et qui l'adorent en esprit et en vérité. Je veux finir par les personnes condamnées par la médecine. Elles sont où? Elles sont où? Ok. Viens. C'est possible, tu peux marcher? Non, tu peux pas. Pardon. J'ai déjà prié pour elle. Vous voulez que le Seigneur me donne des reins tout neufs? Moi, je crois qu'on peut lui donner des reins tout neufs. Ma soeur, tu crois que Dieu peut lui donner des reins? Tu vas avoir combien de, tu vas avoir des reins de quel âge? D'un enfant de quel âge? 7 ans. 17 ans. 17 ans. Il y a une soeur qui avait un problème des reins. On a prié pour elle et Dieu l'a donné. On lui a fait une ablation d'un rein et elle est allée voir son médecin là. Le rein repousse. Le médecin était très choqué. Donc il y a beaucoup de miracles comme ça que le Seigneur opère à la douceur. Là. Tac, tac, c'est bon, c'est réglé. Le nom de Yeshua, donc c'est un sauveur. Gloire à Dieu. Oui, toi aussi, ton frère? C'est quoi? Le genou? Là, t'as mal, là? Vous pensez que le Seigneur peut guérir son genou? Viens, viens, t'assois là. Oh. Circulation sanguine, ok. C'est les deux. Oula. Ah. Dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il n'est pas? Il n'y a pas une chose à sa main, hein? Je vais bien regarder comme ça, je vais aller en parler. Tu sais. Jesus. Oh Seigneur, il se passe des choses là. Au nom de Yeshua, alléluia. Tiens, hop. Tu bouges comme moi, les jambes.
Oh, tu vas respondre au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, ça, l'onction du Saint-Esprit agit là. Pendant que tu bouges la jambe, là, c'est bon. Seigneur, merci. Tu peux marcher. Vas-y, va faire un tour là-bas, mon frère. Au nom de Jésus. Voilà. Comment c'est là, les genoux? Hein? Comment ça se passe là? Qu'est-ce que se passe? Hein? Ça va plus vite. T'es sûr? Il n'y a pas un ballon. Il n'y a pas de. Un ballon pour taper de nous. Tu veux taper de nous? Tu veux taper de nous? Tu es baptisé? Hein? Juste là, à l'instant là? Ouh, c'est magnifique ça! Gloire à Dieu! C'est pour toi. Voilà. Elle veut se lui faire faire du foot, hein. Là tu peux. Hein. Il n'y a pas de ballon malheureusement. Hein? J'ai plus pour toi. Pour ton. Ok. Je t'expliquerai. Ok. Ça fait 12 ans qu'elle a fait un AVC. Ok. Et quand même, j'ai fait toujours des postures. Et puis ça, oh. C'est tout. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus, sors de là démon, sors de là, il y a un démon qui est logé là, là, qui veut détruire ce jeune homme, détruire son appel, tu sors de là, allez sors, je ne veux pas t'entendre, je dis que tu dois sortir de ce corps au nom de Jésus, tu dois sortir de là, sors de là, dans le nom de Dieu, la servir le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit vient dans ce corps là, pour briser toutes tes chaînes, toutes les maladies, la confusion dans laquelle l'ennemi te met dans le nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur, Dieu du Saint, la ligne noire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va clôturer par là. Il y a des personnes que le Seigneur appelle comme des messagers, comme des messagères. Des hommes et des femmes qui vont aller d'église en église pour aller sonner le chauffard, pour aller avertir des pasteurs. Vous êtes là, le Seigneur est en train de vous préparer de plus en plus. Et il y en a qui pleurent, il y en a qui souffrent, il y en a qui passent par des souffrances terribles. Mais le Seigneur me dit que c'est lui qui permet vos souffrances, là, parce qu'il est en train de vous rendre totalement dépendante de lui. Au travers de cette souffrance, le Seigneur est en train de vous détacher, hein, n'est-ce pas, de l'amour pour le monde. Il est en train de vous séparer carrément. Là, donc c'est des séparations terribles, c'est des souffrances terribles. Mais c'est lui qui fait ce travail-là. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Seigneur, bénis chacun, mon Dieu. Que ta présence, mon Dieu Père, éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, vienne et guérisse, mon Dieu Père, éternel. Que ta présence, que ton esprit guérisse, mon Dieu Père, de louange, au nom de Yeshua. Et les cœurs malades, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, cette femme qui est venue ce soir et qui se sent seule. Tu es là, tu te sens tellement seule. Que tu n'en peux plus. Cette solitude te pèse. Et tu as vraiment besoin que le Seigneur te parle précisément. C'est ta prière et le Seigneur te dit qu'il t'a vu, qu'il te connaît, que tu as la réponse que tu attendais, que Dieu te connaît, que tu n'es pas seul, que le Seigneur te connaît, qu'il t'a fait des promesses, qu'il va réaliser. Actuellement, il t'a mis dans ce désert, il est en train de te façonner, de te travailler en profondeur et tu as demandé à voir sa gloire. Le Seigneur te permet, n'est-ce pas, de passer par cette souffrance là parce qu'il travaille ton être, ton âme et... Voilà, donc tu as une femme qui prie aussi pour un homme et tu gênes beaucoup de voir le Seigneur pour cet homme pour que le Seigneur puisse le rencontrer, le visiter. Le Seigneur te dit qu'il va le faire, continue à persévérer. C'est une promesse aussi qu'il te fait ce soir. Cet homme sera bien visité, sera délivré, restauré, guéri au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur.
Et quelqu'un d'autre ici qui a une maladie qui le ronge depuis des années. Et tu souffres au fond de toi à cause de cette maladie. Le Seigneur est en train de mettre sa main sur toi ce soir également pour te sortir de cette prison. Cette maladie, le Seigneur est en train de la paralyser, de la renverser, de la briser au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Seigneur, une autre personne qui souffre beaucoup au niveau de tes pensées, a beaucoup de souffrances. Et l'ennemi t'agresse beaucoup au niveau de tes pensées. Il te fait croire que tu ne vaux rien, que tu es nul, que tu es incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Et tu t'enfermes parfois dans une espèce de bulle pour soi-disant te protéger, en fait, tu ne te protèges pas. Le Seigneur aussi te dit de sortir de cette bulle-là pour pouvoir expérimenter sa gloire. Et voilà, donc tu as beaucoup vécu par rapport. Ta vie a été comme. En fait, tu vis en fonction de ce que les gens disent. Et le Seigneur te dit que tu ne dois plus t'arrêter sur les dires des gens. Peu importe ce que les hommes disent, ce que les gens disent de toi, sur toi, le plus important, c'est ce que le Seigneur dit de toi. Et tu es sa fille, tu es sa princesse. Et l'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever, il va l'accomplir parfaitement. Quelqu'un prie beaucoup pour son père également, tu es là ce soir, tu pries beaucoup pour ton père, le Seigneur va le rencontrer. C'est la promesse qu'il te fait aussi ce soir, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Seigneur, merci pour ma soeur, pour ma bénie là. Merci pour ton onction sur sa vie, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, Dieu d'Israël. Père, merci. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Merci, Père. Oh, bon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Merci. Alléluia. Alléluia. Magnifique Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus guérit. Celle-là, la sœur, pour la ramener encore. Pour la ramener encore. C'est une notion là. Quelqu'un est comme retenu, comme enterré ici, là, dans l'esprit, là. Ta vie a été enterrée. Rien ne va dans ta vie, là. Tout ce que tu en fais voir, là, c'est échec sur échec, c'est échec sur échec, c'est pas toi. C'est une puissance maléfique qui est là, que le Seigneur est en train de chasser, de déloger ce soir. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Voilà. C'est fini. Ton règne est fini. Au nom de Yeshua. Fini. Tu lâches ma soeur. Lâche-la. Tu ne peux pas l'enterrer. Tu ne peux pas la détruire. Ce soir, ton règne est fini définitivement. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Voilà. Fini. Fini. Tu t'en vas et tu ne reviens plus jamais. Oh, Saint-Esprit, merci. La mort s'en va. Peu à peu au Seigneur, la mort s'en va. Fini au nom de Jésus.
Alléluia. Viens. On prie pour toi encore. Tu as eu le baptême, non? Oui. Alléluia, c'est ton jour, ce soir, le Seigneur t'a. Il te nettoie, il te nettoie. Sors! Sors d'elle! Quitte ce corps au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Il y a un lien à la famille d'elle que Dieu brise au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. C'est un lien, ce lien là, Dieu le brise maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, Dieu de gloire, merci papa. Oh Saint-Esprit, merci. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh alléluia. Ça va? Viens, je prie pour toi. Dieu t'aime. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ma soeur, Seigneur. Bénis-la, mon Dieu, bénis tout ce qu'elle entreprend. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, Père de gloire. Qu'elle soit guérie, qu'elle soit libérée, qu'elle soit fortifiée, mon Dieu, Père. Au nom de Yeshua, sois fortifiée. Oh Seigneur, merci pour mon frère. Tu avais mal où? La tête, t'as encore mal là? Là, là, ça fait combien d'années? Trois mois. Oh Seigneur, guéris, guéris ma soeur, guéris Seigneur, guéris ta fille, mon Dieu, Père, au nom de Jésus, Père Nazareth, papa. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. C'est bon? Gloire à Dieu. T'as encore mal, là, toujours encore un peu la tête, hein, c'est... Oh Seigneur, merci. Au nom de Dieu. Voilà, on a fini, que Dieu vous garde. C'est bon? Ça va aller? Alléluia, gloire à Dieu. Oui, tu disais quoi? Non, ok. Que Dieu vous garde.